Alors salut à tous, c'est Gizmo et on se retrouve là pour un petit tuto encore sur Sony Vegas Pro 9. On va regarder comment on fait un halo de lumière. Donc vous allez dans Effets de vidéo et vous cherchez Halo Sony. Vous le glissez sur 8 vidéos. Là vous pouvez en sélectionner un, il y en a 5 différents. Bon après c'est comme vous voulez, nous on va prendre au pif éclat de soleil. Donc après, vous pouvez choisir les éléments, la perspective, savoir si c'est plus l'étoile ou... Donc nous, on va laisser comme ça. Après, la taille, on va le mettre assez petit quand même. Non, on va mettre une forte perspective, mais une taille plus petite. Le mélange, c'est un peu l'intensité quand même. Et l'intensité, c'est vraiment s'il est très très éclatant ou moins. Donc bon, on va laisser comme ça. Et la teinte... C'est selon la couleur. Par exemple, si on met du rouge, savoir si le rouge est très est fort ou si c'est carrément pas de rouge, donc il est blanc. Donc nous, on va mettre rouge maximum. Et donc on va jouer sur la timeline. Donc on va regarder quand je tire. Voilà. À ce moment-là, on va le mettre. Non, en fait, c'est un peu avant qu'il faut varier. Voilà, c'est là. Donc là, on va le mettre carrément au centre sur la cible. Là, on va zoomer un peu. Et du coup, celui d'après, on va le supprimer. Donc vous prenez le cran d'après pour qu'il disparaisse. Sinon, il va rester tout le long de la vidéo, le machin. Juste à la position d'après, vous mettez le mélange au minimum. Comme ça, il disparaît. Et ce qu'on va faire, c'est genre ici, on va le mettre tout à gauche. Comme ça, il y aura le mouvement que... Là, la petite étoile qui va arriver au centre. Et comme d'habitude, la position du début, on la supprime. Comme ça, normalement. Si on va juste là, à la position avant, vous enlevez le mélange, ça fait qu'il n'y ait plus. Comme ça, il apparaît que quand vous voulez. Donc voilà, vous savez faire un halo Sony maintenant. J'espère que ça vous a plu. Et merci tout le monde. À la prochaine. Salut tout le monde.